Et coucou tout le monde. Oui, c'est une intro très très douce. Pourquoi c'est une intro très douce? Ah, j'ai oublié l'intégration Twitch. Attends, je fais ça rapidement. C'est une intro très douce parce que je suis plein. Mon Dieu, que je suis plein. Manger une sorte de raclette maison au bout de ma vie, mes extensions. Alors, on tar Twitch token. Oui. Bon, connection established. Ah oui, au fait, on est sur Disco Elysium. Mais bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. D'ailleurs, je vais le faire. Let's go pour le cellulaire chaud. Coucou Animus, comment on va? Bah, je suis au bout de ma vie, moi. Ça va, Animus? Bon, tu l'as acheté, Mario Golf? Je trouve des gens avec qui jouer, là. Les personnes qui l'ont acheté. Les gros streamers, ils l'ont acheté, mais moi, j'ai pas de copain gros streamer, et puis un petit streamer, donc tout le monde s'en fout. Putain. Ça va être au ralenti hein, ce soir-là, parce que déjà, là, on est sur l'intro. Je suis déjà mou. Ça va peut-être aller mieux hein, en digérant, mais pour l'instant, je suis au bout de ma vie. Alors, en fait, pour résumer, on a acheté des frites belges lundi, dimanche. On a commandé des frites belges sur Uber Eats. Ma copine a pris des maxi et elle avait oublié que c'était des 1 kilo. La maxi. Elle en a pris deux. On s'est retrouvé avec des frites. Et comme pas possible, résultat, depuis 3 jours, je fais des recettes pour recycler des frites. Donc j'ai fait des French tacos. Et là, ce soir, j'ai fait une sorte de gratin avec une petite béchamel maison. Et surtout avec du reblochon. Et j'ai pas pris une grosse part, mais je suis KO. Je suis KO, mais voilà, ça s'entend, je suis pas en mode ouh. Ce matin, ce soir, j'hésitais à faire du Mario Golf. Et bon bail. Et résultat, j'ai pas fait, je me suis dit Mario Golf, c'est pas mal, mais là, je suis mou. Je suis mou, mais mon Dieu que je suis mou. J'ai une enclume dans le bide. Donc on est de retour, n'oubliez pas le chat. Hein. Enfin, pour l'instant, il n'y a que Animus qui a une intégration de Twitch. Vous pouvez participer au choix des dialogues, ainsi que me booster ou me nerfer sur certaines caractéristiques. Vous avez aussi sur votre gauche, juste là, deux petits boutons, un pour voir mes stats, un autre pour voir la liste des quêtes, avec la description des quêtes, si vous voulez me rappeler de faire quelque chose, parce que je suis un peu tête en l'air, vous êtes là pour m'aider. Et moi je suis là pour vous faire marrer. Si je retrouve mes forces. Suis traumatisé par ta blague, hein, par ton jeu de mots. Donc, on s'était arrêté samedi, on enquêtait pour la libraire de droite. La libraire de droite qui disait que son lieu était hanté. Le truc, c'est que le lieu n'était pas hanté. On a découvert en fait que c'était Madame qui était juste là. Qui en fait était là depuis toujours et qui faisait un peu de bruit. Et en fait, c'était une fabricante de dés. Souvenez-vous, j'ai parlé de ma collection de dés qui est juste au-dessus de mon bureau là. Bon, tout le monde se fiche. Ah, et je retrouve pas les contrôles. Ah putain, oh, je suis plein. Je suis désolé. Est-ce qu'on avait des nouveaux objets? Non, on n'a rien du tout. On avait ça. Plus un art dramatique. Ok. Eh bien, pour l'instant, j'ai l'impression que je n'ai plus rien à faire ici. Ah oui, il faut que je passe en QWERTY. Parce que c'est pas. On pense pas au clavier français.
Oh, faut que je me ronge les ongles. Il y a des bruits de partout. Donc, alors, résultat, j'ai toujours pas trouvé le mot de passe. Je sais pas si je peux le trouver facilement. On va tenter juste de d'utiliser ça. On a pas mal de trucs à revendre, hein. Mais je me dis peut-être qu'il faut pas revendre. Juste rapidement, on va faire ça, on va reprendre avec le truc de jeu de rôle par radio. Donc oui, si vous venez de rejoindre, hein, non mode chill, je me suis fait péter le bide. C'est de la narration, c'est du choix. On est sur. Voilà, si je peux faire une blague, j'essaierai de faire une blague, mais pour l'instant, c'est pas au programme. Alors, insérer le planning de production. Nanana, appuyer sur impression, appuyer de nouveau sur lecture. Coucou Kid Stark, comment va? Comment va le roi du caisse? Toujours pas changé ton pseudo, résultat? Nanana, alors ça on a déjà lu, je vais pas le relire. Ce petit accent. Je trouve ça bizarre parce que les développeurs, c'est des mecs des pays de l'Est. Ont emménagé en Angleterre, il n'y a pas de français dans les devs en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi. Alors, si je comprends pourquoi, on en a parlé. J'ai parlé d'un truc avec un pote, j'ai parlé de Disco Elysium, qu'il n'a pas fait. Je lui ai dit, ouais, donc un pote anarcho. Voilà, oui, j'ai des potes anarchos. Et il me disait, mais anarcho cool. Hein. Voilà. Je lui disais, ouais, je pense tout le temps à toi parce que ce mec est passionné par l'histoire de la Commune, qui est un grand mouvement révolutionnaire anarchique qu'il y a eu à Paris. Et je lui dis, oui, non, je ne peux que dans 2 mois. Ah oui, tu changes souvent de pseudo en fait. C'est quoi? C'est tous les 3 mois, non? Je sais plus exactement. Je lui dis, ouais, il parle souvent de la Commune. Et je lui dis, ouais, mais il me dit, ouais, mais en fait. Te rends pas compte, mais il y a plein de références au milieu anarchique. Bon, pourquoi? Je dis bah rien que le nom de la ville, Révachol. Attends, mais Révachol, oui, ça me dit quelque chose. Il dit mais si, c'était un gros Révachol, c'était un grand révolutionnaire anarchique. Voilà, c'est le petite info inutile du jour à propos du jeu. Et en fait, il y a plein de références à l'histoire révolutionnaire de France dans le jeu. Mais comme je suis une bille en histoire. Forcément, je les ai pas. Il faudra que je leur parle. En fait, il faudrait qu'il fasse le jeu, mais lui, il hésitait à le faire parce que quand il le faisait, comme on peut le voir actuellement, le langage est ultra soutenu et quand il est sorti, en fait, le jeu il était disponible qu'en anglais. Donc, il ne l'a pas fait parce que il n'est pas mauvais en anglais, mais voilà. Donc, et les résultats, il faudrait qu'il leur fasse, comme ça, je pourrais en parler. J'ai personne avec qui en parler pour l'instant. Par vous, enfin à part vous là qui me subissez mon chill très tranquille. Alors on était sur essayons le mot de passe du planning de production parce qu'il y avait un truc de marqué sur le planning de production. Bien, merci, répétez le mot de passe. Un mot de passe, j'ai toujours. Ce serait pas mon anniversaire. Toujours pas. Un mot de passe, j'ai toujours été nul en mot de passe. Toujours pas. Si la police, veuillez ouvrir cette chose. Je suis dans l'obligation contractuelle de protéger le propriétaire de la mémoire filamentaire. Si vous ne disposez pas d'une autorisation de l'Intel, je ne peux pas vous donner accès à cette mémoire filamentaire. J'ai bien peur de devoir m'interposer, à moins qu'il s'avère que nous avons un moins à perdre. Vous voulez bien répéter le mot de passe? Ok. Donc pour l'instant, ça ne me sert strictement à rien. Ok. Tu sais, on est là si tu as besoin. Vous voulez trouver un mot de passe? Trouvez le mot de passe pour moi. Non, 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 pas de backseat. Non, non, ça, là, je vais vous envoyer sur sur les territoires du backseat et du spoil. Ça va aller. Est-ce que je peux faire quelque chose là encore? Les voix que j'ai entendues, c'est peut-être l'entité maintenant. Partir. J'ai éteint le frigo. Non, j'ai pas éteint le frigo. Pas le mot de passe quelque part?
Bon, en tout cas, on ressort par là. Frigoman. Ouais, c'était super nounours. Ah, mais on se balade pas par là parce qu'on est. Ouais, je sais pas si t'as vu la rediff, mais on a déjà fait tout ça. Donc, il est 21h49. On n'a toujours pas décroché le cadavre, mais on a rempli notre mission d'enquête sur. Sur quelle était l'entité malveillante. Je sais que ici ça se retire, ça, ce truc. Comment? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut de la force, mais j'ai pas mis beaucoup en force. Hein. Est-ce que j'ai des points là actuellement? Non, j'ai pas de points. Expérience 5. Ah. Oui, d'accord, ok, je venais de. Rappelons-nous que nous avons désormais la force de compresseur volumétrique. Nous avons le mode de taxation indirecte où on gagne de l'argent quand on fait des choix de dialogue ultra libéraux. Donc, si vous savez c'est quoi un choix de dialogue ultra libéraux, faites-moi signe. De toute façon, je vous relancerai grâce à la superbe intégration Twitch qui fonctionne parfaitement. L'économie sociale Mazovis. Ah, et nous avons choisi d'être communistes. Voilà. Pas encore. On l'est pas encore en fait. On est en projection analytique seulement. Et donc là, je suis. Attends, à cause de ça, je suis à combien là? Moins 2 en projection analytique. Et résultat, en projection analytique, je suis à combien? Je suis à moins 4. Je suis à 4 seulement. Quand même peu. Est-ce que. Tiens, d'ailleurs, l'interphone. En soi, l'interphone, je l'ai jamais vraiment utilisé. Je l'ai utilisé une fois. Orlando coiffure SCA. Il ne se passe rien. Tu parles d'un nom. Imagine à quoi ressemblerait ta tête en sortant d'un endroit pareil. Donc ça, c'est tous les clubs, en fait. Il ne se passe rien. L'atelier d'Emma. Le silence s'éternise, personne ne répond. Le taxi-beurre. Cliptrin SCA. On dirait que quelqu'un a fait fondre la moitié du plastique à l'aide d'un briquet. Slipstream, et il y a de la friture dans l'interphone, comme si quelqu'un se contentait de raccrocher sans rien dire. Allô, il y a quelqu'un? Allô, oui? C'est tricentennial électrique! Une voix de femme vous répond, tremblotante et fluette à cause de la friture. Ah, vous souhaitez passer commande? On dirait une voix d'une autre époque, comme si elle était reproduite sur un cylindre phonographique. Le combiné de ces récepteurs ne marche pas si bien. Tricentennial électrique? Qui est dans ce bâtiment? Je n'ai vu personne chez Tricentennial Electric. Cet endroit est désert. Oui, je souhaite passer une commande. Non. Je crois. Ouais, on va poser la 1. Ou vous voulez. Bon, tiens, petit test. Est-ce que l'intégration marche? Voilà, vous pouvez voter. Je suis au bout de ma vie. Je ne peux pas choisir des dialogues en fait. Je suis plein de reblochons à l'aide. Bon, bah, on va partir sur là. Mon Dieu! Lieutenant, échange un regard avec vous. Je vous demande pardon. C'est toi, mon Dieu, je ne pensais pas te réentendre un jour. C'est une femme et elle te connaît. Mon cœur s'emballe. Quoi? Et alors, on s'en fiche. Si vous l'avez oublié, faites comme si de rien n'était. Non, attends, Yangui, je suis sûr que c'est à toi qu'elle parle? Vous vous redressez. Oui, c'est moi, mais voilà, je reviens te hanter. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Michel, arrête ça! Elle s'interrompt et vous l'entendez respirer brillamment. Une sorte de grisaillement primitif altère son souffle. Ah mais attendez. Si c'est sur un disque enregistré, ça se trouve c'est un truc qui a été enregistré et elle est morte. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Je ne comprends pas. Tu as disparu pendant des mois, elle donne l'impression de trembler. Je croyais que tu t'en fichais. Une seconde, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en fiche pas, en fait j'ai eu pas mal d'embrouilles ces derniers temps. Tout a changé depuis que je travaille ici, comme si on avait effacé ma mémoire. La friture brouille ses mots. Elle reprend la parole, submergée par l'émotion. C'est si agréable de pouvoir oublier. Oublier quoi? Elle semble au bout des larmes. Il faut pas pleurer, voyons. Il ne répond pas. Vous avez dit que c'était agréable, vous pensez que c'est agréable d'oublier? Silence. Vous n'entendez plus que la friture et le son des vagues qui déferlent sur la baie. Attendez, je vais mettre mon. C'était quoi ce délire? Je vois, vous pouvez me parler. En fait, faut croire que personne ne veut me parler. Je n'ai pas d'amis! Putain, raccroché. Encore une mouette qui passe, le froid vous saisit au corps à force d'observer l'interphone muet. C'était peut-être un mauvais câblage, on ferait mieux de ne plus toucher à cette sonnette, elle a l'air vieille. Bon, j'imagine qu'il est temps de se dire au revoir. Vous appuyez sur le symbole pour interrompre l'appel sur les 12 étiquettes de l'interphone.
Sliptrin. Oh. On va faire forteresse incident. Ça ne répond pas. Revachol Ice City, pareil. Hall principal, bâtiment B, Railing in Rags. Ah, donc c'était bien. Le bâtiment était bien relié en fait. Clipper de la Delta Est. Toujours pas. Aucune étiquette. Le bouton a l'air neuf, mais quelqu'un a enlevé l'étiquette. Il ne se passe rien lorsque vous utilisez. Ce bouton-là a l'air tout neuf. Il est tout à fait possible qu'il ne soit pas encore branché en système. C'est celui de la fabricante de dés. Il recule d'un pas pour examiner les autres longs de la liste. Ok. Est-ce que je peux. C'est un lancer blanc. Ouais, je peux le retenter. Allez, 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 allez. Bien, on commence sur un échec. Yes. Yes. Eh ben, on reviendra plus tard. Pourquoi? J'ai une petite. C'est un livre érotique, mais sans scène érotique. Ah. Simbo. We should think about calling it a day, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. J'ai pas encore payé le patron du café pour les dégâts. Vous devriez vous en occuper alors. Mais je n'ai pas d'argent. Alors quand même lui parler. Un agent de la MCR ne devrait pas dormir dans la rue. On va trouver une solution. Ah, c'est fermé. Est-ce que je peux passer de l'autre côté? Attendez, attendez. Il a dit qu'il faudrait aller se coucher, mais j'ai pas envie d'aller me coucher, moi, forcément. Il est 22h, là, il est tôt. Il est déjà 21h35. J'ai commencé tard le stream. Comment ça va le chat? Vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Ouais, vous savez déjà que j'ai mangé une sorte de tartiflette gratin reblochon à base de frites belges. Et vous, qu'avez vous fait de votre journée aujourd'hui? Enfin. Yo, Sogen! Il passe faire un petit coucou avant d'aller en stream. Allez suivre Sogen. Hein. Je vous jure, de temps en temps. Enfin. Si vous aimez Ragnarok Online, allez suivre Sogen, sinon oubliez parce qu'il fait que ça en ce moment. Est-ce l'atelier des mains? Je ne stream pas ce soir. Pourquoi tu stream pas ce soir? On dirait les restes de la boutique de réparation service fenêtre 24 heures. Pourquoi tu stream pas ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Le mardi, c'est ton jour? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est les histoires? Ah, j'aurais tenté, hein. Tiens, il y a un signal radio ici. Non, c'est une hallucination. Je suis malade. Oh, bah qu'est-ce que t'as, Choupi? T'as chopé le Covid ou quoi? J'ai dessiné saut. T'as dessiné saut? Oh, bah mets ça sur le Discord. Je crois que je sais plus si j'ai fait un truc pour les dessins en mode viewer artiste. Je crois que j'ai dit. Non, mais ça sur le général. Je crois que j'ai rien de particulier. Bordel à même. Ouais, j'ai enlevé beaucoup de channels en attendant. Discussion générale. Ouais, je devrais faire un petit truc. Moi, j'aime beaucoup les dessins. Montre-moi. T'as dessiné qui le. T'as dessiné la pupette de Sceaux ou le tueur derrière Sceaux? Donc qu'est-ce que t'as mon Sogen? Pourquoi t'es malade? Bah viens pose-toi, moi je suis plein là de raclette, tartiflette, reblochon, frites là. On va être bien, on est là pour chiller. Tu vas de toute façon dans une demi-heure tu t'endors, hein, je te connais. La marionnette sur son vélo. Ah mais vas-y, montre le dessin. Très curieux. Regardez ça. Mets ça dans le général. Hein. Dans coin des viewers, il y a général. De toute façon, quoi. J'ai enlevé coin des subs. J'avais pas assez de subs, ça me servait à rien. Je redupliquerai le coin des viewers. Oh putain, il y a toute une petite ambiance qui s'est créée. Peut-être retirer ça, hop. Et je vais prendre ça. Cas où. Il y a quelque chose à me dire. L'homme qui dormait là, dort toujours. Tout est toujours une question d'argent, vous savez. Oui. Tout à fait. Personne là, je peux rien faire. Ah, c'est de la déco. Ces gens sont de la déco.
Je peux pas te parler. Ah, mais toi, t'es le cuistot. Attendez, attendez, est-ce que je peux accéder à des trucs maintenant qu'il n'y a plus de cuistot? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oui. Je sais plus pourquoi j'avais besoin d'argent. Ah, faudrait que j'achète une carte à un moment, en fait. Alors, parlons à Mister. Bon, à propos de cet argent que je vous dois. Je me demandais si on pourrait pas trouver une sorte de petit arrangement pour ce soir. Ah, cet arrangement inclut-il le paiement que vous étiez déjà engagé à honorer? Je vous dédommagerai demain, je suis un flic radio. On se les gèle dehors, je vais crever de froid à cause de votre petit jeu d'argent avec. Allez mec, après tout ce que j'ai traversé, qui me s'apprête à dire quelque chose, le laisser s'exprimer. J'ai pas Discord et je suis sur PC. Bah tu peux avoir... Tu peux télécharger Discord. Ou tu peux y aller via ton navigateur. T'as pas besoin de... Pas besoin d'avoir Discord dans le logiciel, hein. Et puis t'as toujours Discord aussi sur l'application. Ah, je suis curieux de voir ton dessin. Voilà, n'hésitez pas à voter. Je vois que personne n'a voté. N'oubliez pas que c'est possible. Sogen, n'oublie pas que c'est possible de voter. Essaye de ne pas gâcher ma game, s'il te plaît. Sinon, le jour où il y aura une intégration, je vais te pourrir la vie. Personne ne vote. Ok, tant pis. On va laisser Kim parler. Je prends comment en photo? Bah, avec ton téléphone. Alors la technique, c'est que tu prends en photo avec ton téléphone et tu te l'envoies à toi-même sur Facebook. Et via Facebook sur ordinateur, tu le récupères, tu le télécharges. Et oui, je suis habitué à ce genre de manipulation. Tu le télécharges et ensuite tu le mets sur Discord. Il remonte ses lunettes. Je conçois tout à fait votre embarras en tant que gérant, néanmoins... Je me sens forcé de vous rappeler que nous sommes ici pour mener une importante enquête impactant également votre établissement. J'en ai pas. T'as pas de téléphone? Enfin, oui. J'ai fait du jugement sans le vouloir, excusez-moi. On est en 2021, je suis en mode, mais qui n'a pas de téléphone en 2021? Je veux dire, c'est presque vital. Mais c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone. Je n'en connais pas, mais... C'est vrai que j'avais une ex qui avait pas de téléphone, elle avait juste un ordinateur. C'était un plaisir. C'est-à-dire, on se donnait rendez-vous. Et j'arrivais au rendez-vous, et des fois elle était pas là où on avait rendez-vous, donc pour la chercher, je devais la chercher sans savoir où elle était. Parce que je pouvais pas lui dire t'es où, où est-ce que t'es, où est-ce que je te cherche. Quand on allait à des festivals et j'étais en mode, on va pas se quitter, c'est sûr je te retrouve pas. Voilà, c'était un plaisir, et quand on s'est quitté, elle a acheté un téléphone, sachant qu'on se prenait souvent la tête parce qu'elle avait pas de téléphone. Yes. Pardonnez-moi de dire ça, mais votre collègue a l'air plutôt dévoué à la picole et il s'interrompt au milieu de la phrase. Il paraît sensiblement rétrécir sous le regard sévère du lieutenant. Je ne voulais pas vous manquer de respect, il n'y a rien de personnel, je dois juste protéger les intérêts de cet établissement. Pas si vite, j'ai toujours ma clé, vous savez, cette conversation ne mène nulle part, n'est-ce pas? Pas tant que vous ne m'aurez pas payé. Ok. Il se tourne vers vous en soupirant. J'ai peut-être quelque chose dans mon automatrice qui pourrait s'arrêter utile quand vous en aurez fini ici. Je tenais vraiment pas à en arriver là, voilà ce qu'il dit. Oh, lieutenant. On va s'arrêter là. Allons voir dans l'automatrice. Je pourrais sortir. Il a pas vu que j'avais une crowbar, hein. Je pense que si je donne un petit coup de crowbar sur le bar, il va faire « Ok, n'abîmez pas plus mon bar, sinon vous allez payer des dégâts en plus. » Ouais, non, mais je vais pas les payer, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il me propose, Kim? J'ai quelque chose que nous pourrions vendre. Regardez à l'arrière du box carcéral. Le box carcéral? Les gens normaux appellent ça tout simplement la cage. Regardez à l'intérieur du box carcéral. La cage située à l'arrière de l'automotrice n'a pas l'air très confortable. Quatre enjoliveurs rutilants sont alignés dans le siège. Leur bord argenté scintille dans le noir. Je les ai confisqués il y a quelques temps de cela. Quoi? Nous pouvons les apporter à la boutique du prêteur Choga près du canal de Martinez. C'est quoi ces trucs là? Comment ça confisqué? Comment ça confisqué? Il y a quelques semaines, j'ai...
Du coup, je peux pas. Mais t'as pas de... T'as pas de scanner? Et t'as aucun photo? T'as pas un petit appareil photo numérique qui traîne? Dans un truc vieillot à 50 balles? C'est dommage, moi j'aurais voulu voir. Et donc, vous lui avez pris ses enjeux. Alors, qui roulait plus lentement que la vitesse minimale autorisée. Il s'est avéré que c'était le fils d'un pont de la coalition et pas des moines. Donc, vous lui avez pris ses enjeux. Oui, je les ai pris et je l'ai arrêté pour conduire sous l'emprise de stupéfiants. C'est pas de la corruption, ça? Observez, je comprends, j'aurais fait la même chose. Je confirme. Le lieutenant regarde ces gens réussir, puis je soupire. Je comptais les présenter comme preuves, mais ils ne sont pas avérés probants. Il n'a jamais demandé à ce qu'on lui rende. Allez, riche. Le lendemain, il en a racheté, hein, il s'en fout. Ce sont des disques d'enjoliveur. On s'en sert pour décorer les roues. Quand la roue s'immobilise, il mime le geste avec ses mains, le disque continue de tourner. Ah, d'accord, c'est ce genre de truc ultra bling-bling. Son ego ne s'en portait pas plus mal. Bah merci, j'apprécie votre aide. Allez, maintenant, hochez la tête tandis que vous prenez les enjoliveurs. Kim, comment est-ce possible? Est-ce que j'allume ça? Il déclenche le préchauffage, attend quelques instants, dégaine ses clés et lance. Eh bien, je tourne, vous appuyez sur démarrage, juste à côté de la jauge de préchauffage. Appuyez sur démarrage. Le tableau de bord s'illumine d'un orangé. Oula, voilà le bruitage. Les jauges de tour par minute s'ébrouent et le moteur de la croupie Kinema s'éveille dans un grondement aigu. Les phares émergent dans un léger cliquetis, projetant leur faisceau lumineux électrique sur le sol autour du véhicule. Et voilà, je les éteindrai depuis la télécommande une fois que vous aurez fini. Il vous suffit à présent de nous placer devant le véhicule. Fermez la porte. Ok, allons voir ça. Alors, résultat, fais voir les enjolivers. Maintenant qu'ils soient allés, votre chambre, vos whirlings, ils sont bleus, ardoises, brillent outrageusement lorsqu'on les expose à la lumière. L'ombre des gratte-ciels disparaît dans la brume. Carte postale, la Delta, année 51. Il n'y avait pas un autre truc que je pouvais voir? Non, il n'y avait rien du tout. Lorsque vous approchez votre registre sous la lumière des phares, un hologramme irisé apparaît. Un réseau de rues et les bras d'un grand fleuve. Une sensation familière vous envahit. Le voilà, Revachol West. Il y a une note de fierté dans la voix du lieutenant. Autour des bords du filigrane se trouvent des dizaines, non des centaines de micro-perforations. Examinez les plans de rues irisées. Le filigrane rectangulaire est recouvert du logo de la MCR. Et pourtant, les grandes artères de Revachol sont toutes reconnaissables. Elle brille à la lueur des phares de la kinéma. Pas si vite, regardez autour de vous. Où on est sur cette carte? Laissez-moi voir. Il prend le registre pendant un instant et s'examine. Ici, dit-il, son doigt pointé en haut de la carte sur un segment côtier qui s'avance dans le grand océan. Ça a l'air... Je suis sûr que j'ai vu pire. Ah oui, Call City, le royaume, le quartier cramé. Examinez les perforations. Il y en a beaucoup et elles sont divisées en trois rangées, c'est pas... c'est pas... Je vais dessiner tant de Jérôme. Ah bah ouais, mais c'est dommage, je peux pas voir. Il y en a beaucoup et elles sont divisées en trois rangées. Faut que j'aille voir... Attends, tant de Jérôme, Demon Slayer, on est d'accord. Elles sont divisées en trois rangées séparées. Analysez. Comptez les différentes rangées. La première rangée a 18 points. Qu'en est-il de la suivante? La suivante est la plus longue, elle court tout autour des bords et dépasse un peu. Il y en a tellement que c'est difficile de les compter. Plus de 150... Attends, on les a comptés? Qu'en est-il de la dernière rangée? La dernière rangée a 3 points de perforation. C'est malin. 3, c'est tout? C'est malin. Hakim, que signifient ces trous? Montrez les points sur le filigrane. Ce sont des perforations. Elles représentent vos données en tant qu'officier de la MCR. Ce sont vos statistiques, en quelque sorte. Vous auriez dû deviner que vous teniez un registre. Les officiers le font souvent. Voyons voir. Les officiers mâles dominants qui sont fiers de leurs chiffres font souvent ça, c'est voulu. La première ligne représente vos années de service. 18 ans? D'accord, pas mal. Que faisiez-vous avant de vous porter volontaire? Alors, je me saoulais comme une méga star. Attendez, ça fait 18 ans que je fais ça. J'arpentais la terre en annonçant aux prostituées au parjure que la fin était proche. Il ne reste plus que 9855 jours. J'étais un clochard et je vivais sous un pont. Probablement un travail de bureau ennuyeux comme tout le monde. J'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. J'ai l'impression que je voyageais et que je passais mon temps à m'excuser. Probablement un travail de bureau ennuyeux comme tout le monde. Croyez-vous vraiment que j'en ai la moindre idée? Alors, attention. Je vais déclencher le truc. Soyez rapide parce qu'il y a un petit délai. Donc, je vais déclencher la chose. Je vais déclencher l'intégration. Donc, normalement, là, il y a trop de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités de réponse. La 2. Voilà, on commence déjà. Je compte ton vote. Mais si d'autres votent... Voilà. N'oubliez pas, utilisez un bon launcher.
Je vais déclencher le vote. Ou sinon, votez dans, directement dans le chat. Mais je vais le déclencher quand même de côté. Voilà. Vous pouvez choisir. J'ai l'impression que c'est ce genre de dialogue qui fait que ça va rester gravé sur mon personnage. Je voulais choisir. Je vais fermer la fenêtre parce que je commence à avoir un peu froid. Ah merde, j'ai cliqué sur le bouton d'intégration au niveau du stream de mon OBS. Ça n'a aucun sens. La 2, où ça? J'ai cliqué sur OBS en fait. Sur mon. Mon. Oh, putain, je suis fatigué. Mon logiciel de stream. J'ai mal au bide. Personne n'a voté donc. Quels cheveux? Waouh! C'est un peu le bordel là, mes cheveux. Je laisse pousser depuis. Quelques mois. C'est pour ça que je préfère les attacher, c'est le bordel. C'est trop le bordel là, en plus je suis en mode 40 barbigous. Un peu le bordel. Je me saoulais comme une méga star, j'arpentais la terre en annonçant aux prostituées au par jour que la fin était proche. Où on vote? Mais ça apparaît comme ça d'un coup là. Voilà, normalement c'est censé apparaître sur le stream. Moi ça apparaît en tout cas. Allez, la 2. Comme tu as mis la 2. Oh, j'ai mal au bide. Je me saoulais comme une méga star. Normalement, là, ça apparaît. Moi, ça apparaît hein, sur mon retour de stream là. Ensuite, moi, je suis sur Opera. Je sais pas ce que ça donne si. Par exemple, tout le monde utilise Google Sheet. On va voir Google Chrome. On va voir ce que ça fait sur Google. 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 Allons voir Google. Google. Si, commencez à regarder. Regardez, si je fais, si je rappuie là. Ouais, c'est là. Hein. Ouais, voilà, je peux répondre. Il apparaît, moi. Bizarre que ça apparaisse pas. Je me saoulais comme une méga star. Ah, j'hésite, hein, il y en a plein de biens. Hein. J'aime bien répondre par une question. Je pense que je vais répondre par une question. Ma foi, ça serait pas surprenant. Votre jeunesse a coïncidé avec une époque grisante pour Eva Scholl. Mais continuons, d'accord. La rangée suivante, celle qui s'étend tout autour, est votre nombre d'affaires classées. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'elles sont terminées. Vous avez, voyons voir. Oh, plus de 200. En même temps, en 18 ans. Alors, si j'ai résolu 200 affaires, ou classé 200 affaires. Sur 18 ans, ça fait. Alors, sans calculer, ça fait à peu près 10 affaires par an. Un peu moins, je dirais 11 affaires par an. 11 affaires, attendez, je vais regarder en calculant. Alors, 200 divisé par 18, 25. Ah ouais, non, en fait, je n'ai pas compté. Oh mais non, attends, 200 divisé par 25? Quoi? Par un quoi? 200 divisé par 18? Ah non, ça fait 11,11. J'étais pas mal, j'étais bien. Il y a un compte à rebours, mais je peux pas cliquer. C'est bizarre. C'est beaucoup? J'aurais pensé qu'il y en aurait eu plus. C'est vraiment beaucoup, même pour quelqu'un qui est dans la police depuis près de 2 décennies. Habituellement, résoudre plus de 10 affaires par an vous place en 90e percentile au sein de tous les agents de la MCR. Oui, Kim, je vous avais dit que j'étais un flic superstar. On va continuer, hein, j'aime bien ce délire de flic superstar. J'étais quelqu'un de bien avant. J'étais une source. C'est une source de réconfort, je suppose. Je représente le dernier numéro. Je ne pense pas que je puisse redevenir un jour cette personne. Bon, bah, moi j'aime bien le flic superstar. Appelez ça comme vous voulez. Vous étiez. Oh putain, oh le reblochon, oh l'odeur du gros. Ah, vous n'avez pas l'odorama, mais je vous le dis, hein. Ah, c'est loin. Appelez ça comme vous voulez, vous étiez un membre précieux de votre poste. Maintenant, examinons la dernière rangée. Je vois, il s'agit de vos victimes confirmées. Ah. 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 Donc je suis un tueur? Je n'attendais un chiffre plus élevé, franchement. Donc je suis un tueur? Un officier de la SMN, surtout venant du poste 41 qui se trouve dans le quartier de Jamrock,
Et plutôt léger. C'est une bonne chose. Les officiers traitent leurs victimes comme s'il s'agissait d'une sorte de jeu macabre. S'ils parviennent à résoudre une affaire, c'est généralement par accident. Il est évident que le lieutenant n'a pas beaucoup d'estime envers ses officiers. Ah, le Kim, ça a l'air d'être un bon, hein, quand même. En fait, ça a l'air d'être tous des connards, les flics, sauf nous deux. Mais il semble que vous êtes, ou du moins étiez un bon policier. C'est une très bonne chose. Vous avez déjà tué quelqu'un, Kim? Ah, je suis très curieux de ça. Non, vous êtes curieux, le chat? Oui, dit-il, refusant de préciser sa pensée. Comment faites-vous pour gérer cette pression? Chacun a sa propre méthode de gérer ça. Certaines méthodes sont plus efficaces ou plus autodestructives que d'autres. Ils vous regardent avec intensité. Moi, ça m'aide à d'avoir quelques hobbies. Genre quoi? Oh, différentes choses, mais ce n'est pas le moment pour parler de ça. Peut-être que je devrais me trouver un hobby. Pourquoi pas le jardinage? Vous avez des gants jaunes? Ah merde, j'avais pas d'autre solution. Il dit ça sérieusement. Ne prends pas ça pour un coup bas. Merci. Je l'ai pas pris pour un coup bas. Je pense que ma relation avec Klim s'est beaucoup améliorée et que j'ai pas trop à m'inquiéter. Un petit 10 d'XP. Je vois, je vais aller éteindre les phares et appuyer sur la télécommande située sur la clé. Vous pouvez désormais consulter vos statistiques dans le journal à droite de la description des tâches. Ah. Mes statistiques? Ah, d'accord. Payer les dégâts. Donc ça, débriefing de fin de journée, fermer l'écluse mercredi. Alors, flic superstar, flic de l'apocalypse. Flic non inconnu. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? MDR. Donc les 16 affaires, c'est celles que j'ai dû terminer. Si je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peut-être qu'on était déjà à plus de 200. Victime 3, année de service 18 ans. Justicier truand 6. Ça veut tout et rien dire. Communiste 5, yes. Fasciste 2. Comment ça fasciste 2? Ultralibéral 6. Moraliste 1. Flic pitoyable. Flic superstar. Non, mais moi je vais essayer d'être flic superstar. Hein. Donc je me doute que avec tout le reste, il faut que j'aille chez le prêteur sur gage, dont l'entrée n'est pas là. J'ai pas parlé au mec qui faisait la pétanque. Je voudrais juste aller là, s'il vous plaît. Peu après 21h, la nuit, les rues sont boisadibées. À 2h, tout le monde fait dodo. Pas trop que je tarde, hein. 22h26. Alors. Greetings on this fine night. Comment se fait-il que vous soyez encore ouvert? The pawn shop is always open. La boutique est toujours ouverte. Alors. J'ai autre chose à vendre. Bonjour, hiver, rayon. Oui, nous souhaiterions vendre ces gens Joliver, répond le lieutenant en lui tendant. Il se saisit des gens Joliver que lui tend le lieutenant et les inspecte. Les disques scintillent sous les lumières dansantes de la boutique. Il s'émerveille devant le métal chatoyant. Il hoche la tête. Oui, c'est du sacré bon matos. Vous avez arnaqué un prince pour les dégoter? Ou détrousser un banger mesque? Peu importe, je peux vous en donner 200 réals? Moi qui ai galéré toute la journée à trouver de la thune, 200 réals. C'est incroyable. Nous n'avons ni arnaqué ni détroussé personne, je vous assure, précise le lieutenant, tandis que le prêteur ouvre la caisse et compte les billets. Bien sûr, je ne voulais pas vous manquer de respect. 200 réals pour vous, monsieur l'agent. C'était un plaisir de traiter avec vous. Revenez quand vous voulez. Ah, merci. Il prend l'argent puis se tourne vers vous. Non! Il me donne que 70 balles! Voilà les 70 réals que vous devez pour votre natte. Tâchez de ne pas gaspiller. Il fout le reste dans sa poche. Mais non! Le reste est pour lui. Une compensation pour la perte douloureuse de ces gens Joliver chatoyants. Oh mais non! Plus cher qu'un appart à Paris. Bah, surtout avec l'inflation, je crois que 200 réals, c'est l'équivalent de... Non, un appart à Paris, c'est pas cher. Moi, j'ai un appart à Paris. Je le paye pas. Vous avez autre chose. On exagère. Franchement, 600 euros pour un 9 mètres carrés dans le marais, c'est pas si cher. Hein.
Vous avez autre chose à vendre? J'ai la photo fascinante d'un cadavre avec moi. Montrez la photo. Oh non, je ne pense pas ce genre. Je n'aime pas ce genre de cheveux. Ça se vend pas. Vous savez ce que signifient les tatouages? Il fronce les sourcils. Trajectoire photique, réseau contre luminescent, antimagnétisme. Il est question de ténèbres. J'en sais pas plus. Vendez-moi quelque chose de plus lumineux. Tu n'as aucune idée de ce que sont des trajectoires aphotiques, mais ça n'a rien à voir avec ces tatouages. J'ai cette broche commémorative, je vérifie. Accéder au menu du prêteur sur gage. J'ai pas envie de mettre des trucs en gage, hein. J'ai rien à vendre pour le moment. On tente. Oh! Ça a augmenté un peu là, ça a augmenté de 10% ou j'ai rêvé? Difficile. Roy est-il défoncé? Et si oui, qu'a-t-il pris? Je regarde s'il n'y a pas d'autre choix de dialogue. Vous pourriez nous être utile dans la... pour moi. Vas-y, petit. Allez, 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 allez. Ça passe. Une sensation de chaleur. Une fascination pour les mouvements de lumière. Tandis que l'esprit continue de s'emballer, il en a de la chance, cet enfoiré. Il est sans doute cramé au pyrolidon. Ce truc-là ne court pas les crues. Le pyrolidon, qu'est-ce que c'est le pyrolidon? Une drogue développée pour l'armée, pour lutter contre les radiations. Elle comporte des effets secondaires psychédéliques. Elle donne les yeux jaunes. C'est moi ou on crève de chaud ici? Ah oui, en mode genre. Ouh, oh, ça m'excite! Se rapprocher, monsieur, pourriez-vous retirer vos lunettes de soleil? J'aimerais inspecter vos yeux. Allez droit au but. Alors, où on peut se procurer du pyrolidon de nos jours? C'est moi, on crève de chaud ici. En quel honneur? Il est chancelé loin de la vitre, mais se reprend rapidement. Ce sont des lunettes de vue. Sans elles, je n'y vois quasiment rien. Vous avez manifestement pris quelque chose. Je ne juge pas, je fais juste mon curieux. J'ai probablement abusé du pyrolidon avant de perdre la mémoire. Ah, du cam, je suis juste un flic cool qui aimerait bien goûter à votre cam. C'était pas pour vous agresser, ne pas insister, pas besoin de drogue. Pas besoin de drogue. Là, je pense que si je vais là-dessus, je deviens drogué. Hein. Du coup, je fais comment pour Discord? J'ai pas de téléphone. Bah ouais, mais t'as pas de... Bah tu peux pas faire de... Bah Discord, t'as le lien en haut et ensuite... Je ne saurais te dire. De toute façon, tu ne peux pas partager... Tu ne peux pas prendre la photo du dessin, si? Pas de réponse du chat. Oui. Et il fallait que j'en prenne, vous comprenez, à cause du nettoyage de la pile populaire, répond-il brutalement. Je faisais partie de la brigade de secours d'urgence. Il continue à en prendre pour le plaisir de l'esprit et les sens, mais par contre, et pas contre la douleur physique. Ah bah trop tard, merde. Normalement, il y a un petit décalage hein, quand même. Trop tard. C'était quoi là? Hein, en plus, c'était... J'ai plus le choix. La pile populaire, racontez-moi un peu plus sur cette brigade de secours. Ah, la pile populaire, c'est quoi? Une idée à la noix de pauvres gauchistes avait créé un générateur de désincrétation de particules dans l'espoir d'offrir une source d'électricité bon marché aux communautés sous-approvisionnées. Il y a eu un dysfonctionnement, les déchets radioactifs se sont infiltrés partout. Vous en avez aussi probablement en vous. La pile populaire était un générateur à désintégration de particules de type U qui a explosé peu de temps après sa mise en service. Relâchant des déchets radioactifs dans la rivière Espérance. Ah! Ah, d'accord, donc on est près du Gange en fait. C'est quoi un générateur à désagrégation? Un réacteur nucléaire rudimentaire, également appelé pile. Pourquoi appelle-t-on ça la pile populaire? Sa construction a débuté durant la commune de Révachol. Le peuple a continué à l'utiliser après la chute de la commune, offrant ainsi une source d'énergie bon marché à Révachol Ouest. Inutile de préciser, ça n'a pas marché. Le dysfonctionnement d'une valve de sécurité a provoqué une surpression qui a fait exploser la turbine et le réservoir de combustible. La faute a été imputée à la fois à une conception défectueuse et à un manque de financement. Racontez-moi un peu plus sur cette brigade de secours d'urgence dont vous faisiez partie. Il désigne le triangle blanc sur son gilet de sécurité orange.
On formait un groupe de volontaires autonomes. On essayait d'aider les pompiers à colmater la fuite. J'ai grandi près de la rivière L'Espérance. Je pouvais pas la laisser pourrir sans essayer de faire quelque chose. Oh, c'est un bon gars, au fond. Ça a l'air d'être un bon gars. Ça ne devait pas être facile de nettoyer des champs actifs. Si tout le monde a essayé d'oublier ce qui s'est passé sans réparer ou remplacer la pile, pour une bonne raison. Tant de déceptions, tant de morts prématurées, la plupart dues au concert. On savait très bien que ça arriverait même pendant qu'on nettoyait du mieux possible. C'est la faute à qui si le générateur a cessé de fonctionner? Personne, mais tout le monde à la fois. Il soupire et secoue la tête. Tant d'amertume. Ouais, il en veut au gouvernement quand même un peu, qu'il l'ait pas aidé, qu'ils aient pas aidé. Ça se sent, hein, de ce qu'il laisse penser, mes propres réflexions. Manque d'argent, manque de moyens, manque de gens qui aident. S'il parle d'une équipe, ça veut dire qu'il y avait que les pompiers et eux, et c'était peut-être les dernières personnes qui pouvaient vraiment aider. Mais il fallait peut-être plus des scientifiques ou ce genre de choses. Une bande de pauvres avait bricolé eux-mêmes un réacteur nucléaire improvisé, plein d'espoir. Vous pouvez imaginer le résultat? Comment vous avez-vous préparé, retrouvé une prêteur sur gage? Le nettoyage, c'était il y a 15 ans. J'étais jeune à l'époque, quand ma deuxième tante est morte, j'ai hérité de sa baraque et de tout le foutoir qui allait avec. J'ai alors déménagé à Martinez. On m'en a dissuadé en disant que c'était le trou du cul du monde. J'aurais répondu, on vient de vivre l'effondrement de la pile nucléaire. Je m'éloignais de ce faubourg autant que possible, toujours dans la même ville. Mais il hausse les épaules. Merci pour votre aide. Je préfère la théorie aux rumeurs. Un mouvement vers l'extérieur, mais pas de vortex. Quoi? Ouais, tu vas devoir t'habituer à ces vortex en forme de fer à cheval. Quoi? Quoi? Ça vous dérange si on partage votre pyrolidon? Vous avez dit que vous aviez déjà essayé, pas vrai? On dirait presque qu'il s'inquiète pour toi. Maintenant, en recul, faisant mine d'admirer des babioles sur les étagères, il semblerait qu'il n'ait pas envie de se mêler à tout ça. Oh mais non, Kim, t'inquiète, on va bien se marrer! Ah, on te prive pas, pense-t-il. Tant que tu peux marcher tout droit, je m'en fous. Oh. Ce n'est pas un stup, mais il ne veut pas non plus t'encourager. Non, mais ne vous inquiétez pas. Je me tape du pire tout. Non, mais ne vous inquiétez pas, ça ira. Si vous le dites. Ouais, votre part. Il vous montre une sorte de grosse capsule posée au creux de sa main d'aspect peu ordinaire. Oui, mon chou. Voilà les pyrolidons préconisés par le gouvernement de la coalition direct dans ton estomac. Prendre le pire. Je respecte votre décision, monsieur l'agent. Que puis-je faire d'autre pour vous aider? Il y a des trucs à vendre ici? Ah ouais, il m'avait vendu. Il voulait me vendre ce truc pour je sais pas combien. 12 rials, c'est tout. Allez, on va retourner à l'hôtel. Putain, faut que je me lime les ongles parce que j'ai des ongles tellement longs. J'essaie de pas me les ronger, mais résultat, comme je trouve pas le temps de me les couper ou de me les limer. Très difficile de jouer avec un ongle long. J'ai juste un ongle qui est très long. Les autres, ça va. Là, j'en ai un. Il y en a un, on dirait, il pousse plus vite que les autres. Vous savez, vous vous en foutez, hein, je parle de mes ongles. Non, j'ai pas à boire. Oh, le reblochon en moi a envie de tout exploser. C'est calme ici. Est-ce que... 22h44. Can I help you? À propos de cet argent, j'ai votre argent. Voici 60... Balancez les billets sur... Tenez. Voici 70 réels. Voici... Balancez les billets sur le comptoir. Bref. Parfait. J'espère que vous apprécierez la température glaciale de votre chambre vu que vous avez vous-même cassé la fenêtre. T'as vraiment épuisé toute sa patience. Même en le payant, ça ne suffit pas. Je vais déverrouiller la serrure électronique de votre chambre. Il donne un coup de pied dans une boîte en métal posée derrière. Ah putain, c'était verrouillé. Toutes les portes sont automatiquement verrouillées à 21h. Nouvelle tâche, trouver de l'argent pour payer carte. À compter de demain, veuillez s'il vous plaît me régler chaque nuit en avance. 20 rials par nuit. Vous n'avez pas l'argent, vous êtes fichu, piégé. Vous n'avez pas d'autre endroit à crécher.
Le temps arrête sa course au-delà de 2 heures du matin. Si vous n'avez pas payé votre chambre d'ici là, la partie est terminée. Cependant, n'attendez pas la tombée de la nuit pour trouver de l'argent. Il n'est plus difficile de trouver des espèces durant la nuit, lorsque les boutiques sont fermées et que les rues sont désertes. Il ouvre son portefeuille. Je prendrai également une chambre. Il prend l'argent de Kim et du temps à trouver cette clé. C'est toujours un plaisir d'accueillir des agents de la MCR. Vous désirez autre chose? Il regarde Kim, tâchant d'éviter vos yeux. Attends, est-ce que j'avais un truc, boire de l'alcool? De l'argent pour payer Gart. Décrocher le travail, décrocher où il reste de la mur, fermer l'écluse mercredi. Le briefing de votre journée, le concours de Zob, chanter au karaoké, qui a appelé pour signer les crimes, trouver de l'alcool et de boire. J'ai besoin d'un verre, vous pouvez m'en servir un. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un shaker? Ah mais putain, c'est vrai que c'est un connard. Non, rien dire. Est-ce que je ne suis pas barman? Je veux un putain de verre, trou duc. Vous ne saisissez pas la gravité de la situation. Je suis alcoolique, il me faut ma dose. Je veux un putain de verre, trou duc. Vas-y, Molo, cet homme doit comprendre que tu as besoin d'un verre afin d'améliorer la relation entre la communauté et la police. Des niveaux, le bois au verre ou dans un ananas? Au verre. Ne soyez pas ridicule, oui, au revoir. Voilà. Va niquer une chèvre. Ça te fera la nouille. Comme disait ma grand-mère. Non, ma grand-mère n'a jamais dit ça. Mais ça aurait été très drôle qu'elle le dise. Comment ça va, le chat? Est-ce que vous passez un bon moment? Mademoiselle n'est plus là. Attendez, je vais quand même frapper à sa porte comme un forceur. Disparu. Hein. C'est la porte de la chambre que vous avez redécorée. Bonne nuit, lieutenant. Un instant, vous aviez des questions tout à l'heure, il me semble. On devrait discuter de l'avancement de l'enquête. Allons sur le balcon. Bon, allez, allons-y. Allons-y. Doudou. Dehors, l'air est vif, le lieutenant reste muré dans le silence pendant un long moment. Il écoute le grondement lointain de la circulation, puis... Where shall we begin? We should talk about the investigation, first and foremost. Et le but, but I also remember you wanting to discuss the RCM. Je ne savais pas que vous fumiez, que pensez-vous du déroulement de cette journée? Quels sont les pouvoirs de la MCR exactement? Nos pouvoirs sont assez limités en fait. Le pouvoir exercé le plus souvent par les agents de la milice citoyenne de Revachol est celui d'infliger des amendes allant jusqu'à 1000 riels pour les infractions en fonction d'un calendrier interdépartemental. Ne serait-ce pas un pouvoir dont il serait facile d'abuser? Oui, bien qu'indirectement, car les citoyens peuvent toujours demander à avoir les registres de leur poste local. Les agents de la MCR sont connus pour accepter peu de main d'un montant inférieur à l'amende prescrite. Ils froncent les sourcils. Ça sape la confiance que les gens ont à la MCR. Oh, alors ça, je l'ai déjà lu, ok. Nous pouvons arrêter des gens, bien sûr, mais plutôt que d'arrêter directement quelqu'un, il est préférable de lui remettre un bordereau de convocation au poste. Mais c'est de la merde! Cela évite la confusion et la surpopulation. Attendez, comment vous pouvez être sûr que la personne arrêtée se présentera? Bah oui, complètement con. Impossible d'en être certain. Ceux qui ne se présentent pas... Quelle chaîne? Impossible d'en être certain, ceux qui ne se présentent pas deviennent des fugitifs et perdent une partie de leurs droits légaux lorsqu'ils sont finalement arrêtés. C'est une question de projection de puissance jusqu'à présent. Les gens ont plutôt tendance à se présenter. Quand le pouvoir appelle, tu obéis, mais le pouvoir lui-même est un être fragile, est un fragile tour de passe-passe de la perception. Je vois si quelqu'un résiste. Comme vous aurez sans doute compris grâce au fait que nous sommes censés tenir un registre de nos cibles abattues, comme celui qui figure dans vos finigrammes, nous sommes autorisés à utiliser la force nécessaire. Et il nous est fortement recommandé de ne pas abuser de ce pouvoir. Attendez, donc si je suis quelqu'un en service, qu'arrive-t-il aux personnes que nous condamnons? Vous devrez fournir des preuves irréfutables pour expliquer pourquoi vous avez dû tuer cette personne. Dans ces cas-là, votre collègue devient généralement votre témoin. Soit dit en passant, ce n'est pas vraiment une bonne posture. Les affaires internes traitent ce genre de cas de façon si minutieuse et soumettent les agents à un contre-interrogatoire pour vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence entre les deux versions. Il est difficile de couvrir quelqu'un. Bref-t-il aux personnes que nous condamnons?
Nous ne les condamnons pas. Nous les arrêterons, nous les envoyons devant les tribunaux du gouvernement et de la coalition, à Couronne et à la Delta. L'accusation travaille à partir de témoignages et de nos dossiers. C'est pourquoi il est primordial de les conserver. Il tapote la poche de sa veste, là où il garde ses notes. Et qui fixe toutes ces règles? Le gouvernement de la coalition. Et en général, la morale interne. La morale interne? Non, c'est un truc, la morale interne? C'est un jeu de mots? La MCR a été créée par le gouvernement de la coalition pour établir l'ordre dans l'ordre interne, dans la zone internationale après la révolution. C'est ce que nous avons fait. À présent, nous essayons de faire régner cet ordre, ni plus ni moins. L'air absent. Il fixe une fenêtre en dessous, dont la lumière vient de s'éteindre. Ou peut-être vaut-il mieux dire que la création de la MCR a été autorisée. Savoir si la MCR a été fondée par les citoyens de Ravishol ou le gouvernement de la coalition constitue un sujet de désaccord. Personne ne sait qui l'a fondée. Je suis pas sûr de comprendre. Donc quelle chaîne? Disons qu'elle a été créée par les citoyens de Ravishol. Disons qu'elle a été créée par le gouvernement de la coalition. Ok, cool. Voyons, communiste! Et sentimental, si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, la morale interne nous donne le droit de faire régner l'ordre dans cette ville. Et nous y retirons ce droit si nous en faisons un mauvais usage. Bon. Ou s'il pense que c'est le cas. Je ne pensais pas que vous fumiez. Je fume une cigarette tous les soirs quand je relis mes notes. C'est une sorte de rituel. Oh, punaise, il a l'air tellement cool avec cette cigarette. Non, j'ai envie de fumer. Il vous reste des clopes? Comment êtes-vous devenu si cool, Kim? M'excuse, mais j'en ai apporté qu'une avec moi. Je ne fume qu'une seule cigarette chaque soir en relisant mes notes. Ça me donne envie de fumer. Non, comment êtes-vous devenu si cool, Kim? La lumière de sa cigarette illumine son sourire fugace. Vous voulez parler de ça? Il agite de la cendre. C'est pas cool, c'est une épreuve de volonté inutile et c'est malsain. Contrôler son envie de fumer une cigarette par jour lui demande beaucoup de concentration. Ce serait plus simple pour lui d'arrêter complètement. Bon, ce débriefing, reprenons. Que pensez-vous du déroulement de la journée? Eh bien, nous avons inspecté le corps de la victime, c'est un bon point. Il n'était pas facile de l'approcher vu son état, mais nous avons réussi. Je dirais que notre examen préliminaire a été très minutieux et nous a permis de découvrir des pistes prometteuses. Le corps est toujours suspendu à l'arbre, ce qui est regrettable, mais nous avons effectué une fouille minutieuse de la scène de crime. Joli travail. Je préfère généralement commencer par examiner la scène de crime et retirer ensuite les cadavres. Désolé de ne pas en avoir fait plus aujourd'hui. Je suis pas un très bon flic, hein. Non, on va pas s'excuser. On faut arrêter de s'excuser. C'est pas mon travail d'évaluer votre méthodologie, cher collègue. Je ne fais que passer en revue les faits quant aux interrogatoires. Nous n'avons pas réussi à trouver le chef du syndicat, Erwart Kler, et encore moins à l'interroger. Ajoutons cela sur notre liste de choses à faire pour demain. Nous n'avons pas parlé à la représentante de Wild Pines. Nous devons mettre un point d'honneur à le faire demain. Et surtout, cette journée a été éreintante. Pourquoi courez-vous tout le temps? Vous courez beaucoup. C'est une pratique standard au poste 41? Si on a du temps. Oui, non mais laissez-moi courir. J'aime bien. En plus, comme je suis un flic alcoolique, ça me fait faire un peu de sport, quoi. J'ai une très bonne mémoire théorique sur la raison pour laquelle tu cours si vite, fiston. Attends juste qu'on se lève demain. Quoi? Ok, pourquoi? J'aime pas perdre de temps. J'ai une très bonne théorie sur la raison pour laquelle tu cours si vite, fiston. J'aime pas perdre de temps, vous savez, mon esprit est agile, le reste doit essayer de suivre. Je m'entraîne pour une course de fond, je veux collecter des fonds pour une association caritative. Ouais, c'est comme ça qu'on fait au poste 41. J'ignore pourquoi j'ai dit comme ça, lieutenant Cassuray. Je pense que la 1 est pas mal, je vous laisse voter avec grâce à l'intégration qui a l'air de ne pas fonctionner chez tout le monde. Comment ça va le chat, sinon Moi, je vous demande souvent si ça va, hein, mais... Est-ce que vous chillez à max avec moi? J'aime pas perdre de temps, vous savez, mon esprit est agile. Le reste doit essayer de suivre. On va faire là. Voyons, ça fait très flic superstar en plus. Bonjour, le lieutenant tapote sa cigarette du doigt. C'est vraiment impressionnant, surtout pour un homme de votre âge. D'autant plus que vous portez des talons. Je regarde vos chaussures en peau de serpent et sourit. Jolies chaussures, au fait. J'aime le vert. C'est une couleur qui se marie bien avec l'orange. Une drague? C'est quoi la morale interne? Vas-y, la morale interne. La Moralist International est la plus grande organisation politique du monde. Il tire une bouffée sur sa cigarette.
Vous savez parfaitement qui ils sont. Ce sont les dirigeants de cet endroit depuis l'échec de la Révolution. Si je ne le savais pas, comment les décrirez-vous? Je ne sais pas vraiment. Je ne sais vraiment pas. C'est le vide intersidéral là-dedans. Ouais, tout simplement. Bien. C'est une association de partis de centre-gauche et de centre-droit de la zone réelle. Notre gouvernement de la coalition n'est que l'un de ses nombreux projets. Il dirige également le PIC et l'EPIS, ainsi que la plupart des organisations. En quoi croit-il? En quoi croit-il? Ce sont des Doloriens. Ils croient qu'ils poursuivent le projet humaniste initié par son innocence. Dolores Day. D'accord, une noble, probablement. Il y a 4 siècles. D'aucuns disent que ce ne sont que de simples technocrates. Ah, je suis désolé, vraiment le tartiflette reblochon là. Là, j'ai prévenu, hein. J'ai dit en début de stream que c'était lourd. Hein. J'ai dit que j'étais au ralenti. Mais là je suis en train de me réaccélérer. Mais faut qu'il y ait des roues qui sortent. Je suis vraiment désolé. Je sais que c'est pas très propre et tout. Soyez choqués. Au pire, partez. Ces autres personnes disent que ce sont elles qui poursuivent le projet humaniste initié par Dolores Dale. Quel est leur symbole? Question intéressante. C'est un myosotis bleu. Leur devise est amour, compassion, autodiscipline. Ah bah voilà, putain, l'amour, compassion et autodiscipline, ça a l'air d'être les maîtres mots à Révachol. Vous pouvez vous faire une idée de ce qu'ils veulent que vous pensiez d'eux à partir de ça. Ah, au fait. Attendez, j'en parlerai après. Je ferai ma pub après. Question intéressante. Nanana, vous pouvez... Il s'agit d'une organisation normale. Il s'agit d'une organisation dont le but est explicite. Il s'agit d'une organisation inquiétante. Il s'agit d'une organisation un peu féminine au sens strict du terme. Comment ça un peu féminine? Et alors? Personnage historique, l'auteur des temps modernes, il réfléchit. Vous devrez demander l'opinion d'autres personnes. Le sujet de l'humaniste est trop abstrait pour moi. Que pensez-vous d'eux? La morale interne est un fait. J'ai essayé de ne pas avoir d'opinion sur les faits. Jusqu'à ce qu'ils changent et... Regarde la vie dans contre-moi. J'ai pas l'impression qu'ils changeront de sitôt. J'ai un avis sur la morale interne. Vraiment? Le lieutenant arque les sourcils puis tire une bouffée sur sa cigarette blanche et fine entre ses doigts. Ça craint, dans cette ville, montrer la ville du doigt. On a besoin d'eux ici, comme ça. Ils pourraient nous donner le droit de fliquer Révachol. Ils ont merdé ici. Vous avez vu cet endroit? Ce n'est pas de l'humanisme. Nous sommes les larbins de la plus grande organisation bourgeoise du monde qui protège les droits de la bourgeoisie. Non mais en silence. Les immigrés, les kipts, les putains d'hommes qui se transforment en femmes. Oh le truc de facho! On y réfléchit sans bien, je n'ai pas d'opinion. Oh! Et Artou qui débarque sur le team, le stream le plus chillax de la soirée. Comment va, poto Artou? J'ai vu que t'étais sur Unshodown. Non, c'est ça? Non, est-ce que c'est toi qui... C'est toi qui étais sur Unshodown? Vous êtes au moins 10. Dans ma tête? Ouais, non, 24 plutôt. Comment va, Artou? Ça s'est bien passé, son stream, copain? Alors, je vais vous le redire pour situer la situation de ce soir. merci pour le raid, Arto. Merci de ouf. Alors, je suis un peu au ralenti parce que... Alors, résumons rapidement. Ma copine a acheté 2 kilos de frites belges sur Uber Eats. On s'est retrouvé avec trop de frites. Et donc, j'ai fait que des recettes à base de frites. C'est-à-dire des omelettes, des tortillas, des tacos maison. Yeah! Et ce soir, pour finir les frites, j'ai fait un gratin avec une petite sauce béchamel maison, mais avec du reblochon. Avec un reblochon entier dans le gratin. Et j'en ai pas pris beaucoup, mais la digestion est lourde. Des frites dans des omelettes. Mais en fait, je regardais, en fait, on s'est retrouvé avec 1,5 kg de frites. Parce que c'était 2 kilos, elle a commandé 2 kilos de frites. Donc on s'est trouvé avec 1 kilo de frites, 1,5 kg de frites. Donc j'ai regardé comment je peux réutiliser des frites. Parce qu'une fois qu'elles sont froides, les frites, bah, c'est pas bon, tu vois. Donc ils proposaient des tortillas. Donc en fait, tu découpes tes frites en dés et, ou en omelette et tu mets ça dedans. Et en fait, c'était super bon. Et comme c'est des frites de qualité, c'est de la bonne frite belge de chez Declerc, c'était vraiment ultra bon. Et ça passait crème, hein. Et j'ai fait des tacos maison parce que ça vraiment on dirait pas que c'est des vieilles frites froides. Hein. J'ai fait des tacos maison, j'en ai fait aux stagiaires, à mes collègues, j'en ai fait à ma femme quand elle est rentrée de boulot. Donc hier c'était tacos toute la journée et aujourd'hui c'était gratin de frites.
à reblochon. Et franchement, c'était ultra bon. À chaque fois que j'ai fait une de ces recettes, j'étais en mode, je sens que ça va pas être bon. Je sens que les frites vont être chelous. Et en fait, non, c'était ultra bon. Par contre, résultat, ça fait 3-4 jours que je mange que des frites. Que des plats à base de frites. Je crois que mon bide commence à en avoir marre. Normalement, on a fini. Là. Enfin, il reste un peu de gratin, mais on a fini. Bon, et Arto, tu ne réponds pas, t'as fait du Unshowdown ? Ils nous ont merdé ici, vous avez vu cet endroit, ce n'est pas de l'humanisme. Non, j'ai fait quoi ? Ah, je suis pas totalement... J'ai envie de répondre 100% coco, tu vois. Et libéral, web, Unshowdown. Et ça s'est bien passé, copain ? Non, nous sommes les labans de la plus grande organisation. Enfin, en fait, je pensais que c'était un discours ultra-libéral. Je comprends pas la notion d'ultra-libéral. Parce qu'en fait, j'ai une compétence qui, quand je donne une réponse ultra-libérale, je gagne 1 dollar. Enfin, 1 real. Non, nous sommes les larbins de la plus grande organisation bourgeoise du monde. Nous protégeons la population de Révachol. Sans la MI, nous serons des justiciers ordinaires. Ça me suffit d'être un justicier ordinaire. Ouais, j'aime pas ça. On devrait peut-être faire notre propre loi. Ça me suffit d'être un simple justicier. Non, non. Ouais, j'aime pas ça. Ouais, j'aime pas ça. Les larbins... Ah, j'aime pas ça. Allez, allez, cette fois, le chat peut choisir. Je vous laisse choisir. Je prendrai la réponse du chat. C'est juste que j'ai vu une réponse ultra-libérale, et comme on est pauvre, j'aimerais bien gagner de l'argent. Je me sens plein. Je crois que je vais mourir. Pour m'aider à digérer, je vais prendre un petit bonbon. À gourmandise. Je vais mourir à cause de ça. Il hoche la tête. Malheureusement, c'est ce que nous sommes aux yeux des habitants de Martinez. La plupart d'entre eux, mais surtout le syndicat, nous prennent pour des justiciers. Je m'attends à ce que notre travail ici s'avère difficile. Ils regardent le rond-point. Ils n'ont rien dire et vous contemplez. Observer la nuit. Les lumières mourantes de la ville scintillent en contrebas. Lentement, comme des nuages lumineux, elles se reflètent sur les verres de ses lunettes. Le lieutenant regarde sa fine cigarette. Ce soldat est pour moi le point culminant de la journée, pense-t-il. Ce bâtonnet entre mes doigts. Finalement, il tire sur sa cigarette et ajoute : il ne nous aime vraiment pas ici. Et ce qui sort de la bouche de ce gamin, Kuno, ça n'a rien à voir avec l'intérieur des terres. La Jamrock ou P.I.G.E. Pourquoi ils sont comme ça? Ça a l'air d'être un mec trop réglo en fait. C'est notre faute si nous avons laissé cet endroit aux chiens. Au syndicat, à l'entreprise, si nous n'osons pas venir ici plus souvent, cet endroit est tombé entre les failles. Les juridictions ont nos deux postes. Et la Jamrock, t'es au P.G.E. Il regarde la silhouette sombre du monument équestre qui se découpe du ciel nocturne et dit : nous dirigeons cette ville à l'ouest de la rivière. Nous dirigeons cette ville. À l'ouest de la rivière se trouvent les terres de la MCR. Incroyablement dur. Les êtres humains sont. Il secoue la tête. Mais nous les contrôlons et ça en vaut la peine. L'organisation fonctionne. Nos systèmes fonctionnent. Sinon, cette ville se désintègre. J'espère que notre enquête contribuera à améliorer la situation ici. À faire au moins un peu de bien. T'es un peu optimiste, hein? Là, c'est deux solutions. Soit on est optimiste, soit on est ultra réaliste. Moi, je me dis, j'ai envie d'aller vers un RP de flic superstar. Réaliste? Tu penses réaliste, Sogun? Moi j'ai envie d'aller vers un gameplay de Flick Superstar. Ce game t'es déprimant hein. Vous en pensez quoi le chat? Réaliste ou optimiste? Yes, on peut voter. Mais oui, mais tu suis rien en fait. Qu'est-ce que tu fous sur mon stream frère? Je t'ai dit, mais tu te rappelles le mardi dernier, je t'ai dit mec si tu veux venir t'amuser sur mon stream,
c'est le moment. Et tu m'as dit, ouais, je suis en live. Et moi, je t'ai dit, ah. Et en fait, je t'ai dit, ouais, viens, on va s'amuser sur mon stream parce que y avait les choix narratifs. Ouais, mais j'étais en live. Bah oui, mais là, t'es malade. De toute façon, là, tu viens de te réveiller, là. T'étais en train de t'endormir. Avoue. Dis-le-moi, je sais, hein. Je sais que t'étais en train de dormir, là. Je sais que tu t'es endormi. Bah, dis rien. Viens, mais je connais mes viewers. Je connais mes copains. Allez, allez, pour vous faire plaisir, on est réaliste. Vous avez probablement raison, répondit-il doucement. De toute façon, le changement positif se fait lentement. Nous ne voyons jamais vraiment l'impact de nos actions. J'ai plus rien à dire, en fait. Merci, prendre congé. Tâche terminée, débriefing de fin de journée avec Kim, 30 XP, niveau supérieur. Ah, on gèle les os, rentrons. Il jette son mégot et regarde vers la porte. Et là, il y a électrochimie qui arrive. Perd son écho et fume-le jusqu'au bout. Ah, j'ai un point. Oh, j'ai un petit point. Mais attendez. Moi, je sais que ça, faut que je les déverrouille au final. Allez, c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Bon, c'est un point de talent. C'est un point de talent, ça m'intéresse aussi. Hein. Douleur transcendée, électrochimie, endurance, instrument physique, bander vos muscles et profiter d'un corps sain. Info. Pour les armoires à glace, c'est... Alors, je sais pas ce qu'il me faut. Il me faudrait un peu de force. Hein. Là, c'est bonus d'objet, je suis à plus 1 avec le truc. Peut-être que... peut-être un peu de force, ça ferait pas de mal. Vas-y, on va se mettre un petit point de force. Oh, j'ai que 2 pour l'améliorer, quoi. C'est dire c'est chaud. Hein. J'ai vraiment pris tout en intelligence. Je sais pas si c'était la meilleure solution. Voilà, n'oubliez pas le petit Discord. Hein, j'essaie de le faire vivre. Pardon, je suis désolé, hein, le reblochon. Ah, mais toute la soirée là. D'habitude, c'est parce que je bois de la Red Bull. Mais là, je tourne pas la Red Bull. Là, je suis à la Volvic. Un peu fouetté. Voilà. MDR, je suis désolé. Hein. Voilà, venez sur le Discord, il y a Sogen, il dit prout de temps en temps. bah, je crois que j'ai fini hein, pour la journée. À demain. J'ai toujours pas de carte en fait. Attendez, il est 23h10, on est jusqu'à 2h. On va essayer de réveiller le docker. Coup de matraque là. On va retenter. Ah monsieur! Monsieur s'il vous plaît! Putain 58%, bah c'est bien ça! Monsieur! Il n'y a qu'une seule façon de tirer ce vénéant de sa torpeur, rugit comme un ouragan et rase les édifices de la terre. Ok, c'est parti. Comme un ouragan. Na 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 na. Ouais, je connais pas les paroles. C'est moins drôle quand tu connais pas les paroles. Le trentenaire soulève doucement sa tête et vous jette un regard pensif. Dites, pourquoi vous faites tout ce rafeu? On dirait un descendant Sao. Les dockers Sao sont nombreux dans le coin. Vous êtes violent, vous en avez pas l'air. Je voulais juste savoir ce qui allait se passer si je me mettais à crier. J'ai des questions à vous poser. Allez, les trois me vont. Je vous laisse choisir dans le chat. Les trois sont drôles, à part la troisième. Mais les trois me vont. Donc je vous laisse choisir. Voilà, vous avez 2 secondes. Enfin, vous avez plus de temps en fait parce que je vais. Ah, j'ai des questions. Qui est sage? Qui est sage? À voter la réponse sage. Alors vraiment, vous m'avez arrivé pour ça. Le décor vous lance un regard vif. Grande. Oh, ce serait bien si vous voulez savoir. Monsieur l'agent, même après un réveil forcé, ce docker respecte la police, plus qu'à la coutume, en tout cas. Attends, il m'a dit monsieur l'agent. Attends, il m'a arrivé. Attends, il m'a dit monsieur l'agent. Ils ont fumé. Et deux. Ah. Sogen qui a répondu, Sogen qui me prend toujours les pires décisions, pourquoi j'écoute le chat moi. Et Kid Star qui se réveille un peu tard. Ah, il y avait le « et », mais j'ai pas vu. À 15 secondes, c'est pour éviter d'attendre. Et attendez, si je fais... 1, 2, 3... Alors attendez, je calcule ma latence.
Il y a une bonne latence ce soir. Oh, il y a une latence de fou. Comment ça se fait qu'il y a une latence aussi horrible? Attendez, je mets à jour mon truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wouah! 20 secondes de latence, ah ouais, c'est dur. Hein. Je suis désolé. Hein. Monsieur l'agent, alors, vous avez fait de beaux rêves. Dites-moi ce que vous savez sur White Pine. Montrez sa salopette. Pourquoi vous dormez ici pendant que les autres font la grève? Qui organise la grève? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les cadavres dans la cour? C'est à vous, montrez la bouteille de rhum renversée. Qu'est-ce que vous savez sur White Pine? C'est le nom de mon père, je travaille dans les logistiques. Cette idée ne me semble pas trop l'emballer. Et tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Le cœur baille à s'en décrocher la mâchoire. Et fixe à la porte de la terrasse du café des... Putain, ça m'a fait bailler en fait. Des empreintes du doigt ressortent sur le verre. Vous n'avez pas remarqué ce qui se passe dehors? Bien sûr que si, on se croirait dans un asile de fous. Je suis pas sûr de bien comprendre. J'ai presque pas mis les pieds en dehors de ce café. Est-ce que c'est possible de faire ça dans le jeu? Alors vous avez compris l'essentiel. On serait tous bien mieux sans les employeurs et leur emploi. Moi, je vois que je peux faire la smat. Il se frotte les yeux puis il laisse retomber sa tête sur la table. Allez, au dodo. Vous avez fait de beaux rêves? Non, Dieu merci. Vous avez rêvé de ténèbres insondables où seront transportés comme les cadavres dans les mausolées. Vous avez rêvé du néant et de votre conscience qui n'était pas plus grosse qu'un petit grain de malt. Racontez-moi votre rêve. Étiez-vous plongé dans une pure bêta-étitude sans ex? Vous avez raison, parlons d'autre chose. Attention, le chat c'est à vous. Mais, et trouvez un moyen de jouer à l'intégration hein, parce que sinon on va attendre 30 secondes à chaque fois. 4, 3, 2, 1. Racontez-moi votre rêve. Sogen, ça me va. Le dogger vous fixe. Il y a peut-être pas que Sogen, hein, vous êtes peut-être tous sur la même longueur d'onde. Le dogger vous fixe, les yeux asséchés par son sommeil. Bon, ça va, vous avez été tous sur la 3. Kid Stark répond toujours avec 2 secondes de retard, mais c'est pas sa faute, c'est la faute du stream. Le dogger vous fixe, les yeux asséchés par le sommeil, des ridules couvrent son front. Allez. Je vois pas ce que vous voulez parler, monsieur, mais quand je pense. Pour Alex ou je sais quoi, je veux voir comme un caillou. Un petit moment pour soi dans la zone abyssopélagique. Jamais tu ne pourras y retourner. Il ne te reste plus que ton travail de flic. La vigilance et la découverte. Pourquoi vous dormez ici pendant que les autres font un grave? Pas besoin de moi, les gens cabochent, je s'en sors très bien. Garde le portail, je peux piquer un somme, Cette façon qu'il a de dire Josh Kaboche, il a l'air d'avoir confiance en la farce de ce jeu gère de tête. Ouh, il y a un mec costaud, mais on cherche un mec costaud, nous. Sûrement un rival à ta hauteur, tu devrais le massacrer. Non, 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 j'ai 3 en physique, calmez-vous. Qui organise la grève? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de chef? Je vois, c'est plutôt logique, ma foi. Ah non, nous, les travailleurs, les syndicats, on sait tous dont on a besoin, on sait ce qui est bon pour nous. Vous dire qu'il n'y a pas de chef? Je suppose que Vars peut partir au moins, à la tête du syndicat, les gens, ils savent comment négocier, tiens, pas mal, bien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les cadavres dans la cour? Oh, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça n'a pas l'air de vous déranger plus que ça, c'est courant ici, les cadavres qui pendent aux armes. Ouais, les gens meurent tous les jours, vous savez, on trouve un cadavre dans un fossé, l'autre dans une bouche d'égout, encore dévoré par les chiens errants, et on pense en souffle. Et à quoi ça bon gars, si quelqu'un décide de crever au sommet derrière, bon, je vous dis, bonne dame, y'a plus de saison. Faut bien que quelqu'un enquête là-dessus, est-ce que quelqu'un, c'est moi, dites-moi ce que vous savez. Bah ça sert pas à grand chose, je vous interroge sur le terrain, alors j'ai d'autres questions. Ouais, je peux vous dire une chose, il va y avoir du grabuge. Comment ça va y avoir du grabuge, y'a déjà un mort? Tu as la forte impression que l'homme ne fait pas que la ramener. Il est fort, mais il a ses raisons d'être prudent. Déjà le cas, sinon comment vous appelez un cadavre qui... Bon, voilà, je dis ce que je pensais. Hein. C'est exactement ce que je pensais. Pareil que votre gars était un tueur, le pendu, je veux dire. Et les potes sont comme lui, des tueurs. Faire qu'une chose, répandre le chaos. Pas si vite, qui dit ça? Ouais, tout le monde, j'ai une rumeur qui circule dans le coin. Il baille soudainement. Ouais. Traduction, tu vas rien tirer de plus de moi. C'est probablement ses collègues du 5DK qui ont dit ça. Vous êtes en train de me dire que la signalisation va dégénérer. Ouais, entendu tirer vos propres conclusions, c'est tout ce que je sais. C'est très bien comme ça. C'est à vous?
Ouais, genre vous, il cligne des yeux. Ah, la bouteille est vide, désolé. J'en ai déjà bu, c'est un bon rhum. Ne rien dire. Il se frotte le visage avant de l'enfouir dans ses mains. Vous entendez un faible ronflement. Ouais, je vous laisse dormir. Le docker ne répond pas à sa tête. Il dort déjà. Le docker dort déjà. Et putain. Le mec, il a. On est arrivé ce matin à 8h. Il dormait déjà. On le réveille, il continue de dormir. Comment vous faites? J'avoue, plus je dors, plus je suis fatigué. Je crois qu'il y a une théorie sur le corps qui fait que moins on fait quelque chose, moins on branle, moins on fait. Alors, plus on fait rien, plus on est fatigué. Je crois qu'il y a une théorie sur ça. Je suis pas sûr, c'est peut-être des conneries, hein. Mais je crois que vraiment, plus tu fais en sorte de ne rien faire, plus tu es fatigué et démotivé. Alors. Hop. Regardons le miroir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Verrouiller. Améliorer votre encyclopédie grâce à des points de tableau. Électrochimie. Ah. Bah. Ça ne me sert à rien. Alors j'ai quoi en outil? J'ai ça, j'ai ça. J'ai ça. Vêtements, art dramatique, affinité mécanique, conceptualisation, suggestion. Et là, j'ai quoi là? Ah oui, j'ai instrument physique. Et ça, c'est quoi? Ok, ça ne me donne pas vraiment de bonus en fait, ça. D'accord. Et en objet, j'ai quoi là de qui traîne? Manuscrit du frigo. Est-ce que j'ai le truc qui a écrit la note? Attends, si on en croit à la zone, une personne met. Tu parles de Kuno? Ding ding. Oui, bah oui, on n'avait rien de plus. Eh bien, écoutez mes amis, on va finir cette première journée. On a première journée bien remplie, hein. Le lit est froid et pas particulièrement accueillant, mais c'est le vôtre. Les draps font peur. Il n'y a pas que le drap qui font peur. Regardez, regardez cet incroyable lit, c'est-à-dire il y a un oreiller là, le matelas qui est là comme ça, on est à même les lattes du lit. Il n'y a rien qui va. Ça, tu ne passes pas une bonne nuit dans ce genre de lit. Hein. Genre, je pense que tu as plus vite fait de. Bah non, faut refaire le lit en fait, tout simplement. Faut refaire le lit. Se glisser dans le lit. Bien écoutez, mes amis, de la rediff. Ah, attendez, on va finir. Les draps sont à la fois rugueux et moîtres contre votre peau. Le lit s'affaisse sous votre peau alors que vous vous allongez et finissez par fermer les yeux. Eh bien, les amis de la rediff, on va s'arrêter là pour vous. Je vous fais des gros bisous salés, vous connaissez la salle, les cuisines ferment leurs portes et moi je vais continuer à jouer, mais c'est pour vous, ça s'arrête. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette petite session de Disco Elysium. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes incroyables miniatures en stream en commentaire. Ça me fera plaisir parce que je bosse énormément de miniatures. Vous pouvez voir un avant-goût d'ailleurs le stream sur le Discord des futures miniatures de la VOD. Et oui, parce que maintenant je tiens à jour ma chaîne YouTube. À peu près. À peu près. Voilà. Des gros bisous. Ciao.